Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippy, la chaîne des aventures vidéoludiques, j'espère que vous allez bien. Voilà, bah aujourd'hui du coup on continue le petit Gungrave Gore, donc on est arrivé à Hong Kong, la troisième zone du jeu. Et puis voilà, bah, du coup on a enchaîné. Alors du coup je regardais un petit peu sur le net, un peu au niveau de durée de vie et tout ce que ça valait. Apparemment il y a 31 niveaux, donc on a de quoi faire encore. Et puis voilà, puis en plus vu que je joue en difficile, ça résiste un petit peu, donc voilà. Bref, allez, on est reparti. Alors, contrairement à une balle ordinaire, il semble que celle ayant touché Mika contenait une solution de Seed. Cette solution de Seed doit être entrée en fusion métabolique avec les traces de Seed persistant dans le corps de Mika, causant une mutation et un début de cristallisation du corps. Une transformation de type orgue. A-t-elle commencé? Pour l'instant, la vie de Mika ne semble pas en danger, à moins que Mika soit encore vivante à cause de ça. En premier lieu, j'ai besoin d'exploiter d'anciennes données de recherche pour trouver le moyen de créer un remède capable de neutraliser l'acide dans le corps de Mika. Ouais, du coup, on a la base là, de l'équipe. I can keep them stable now. But there are no improvements whatsoever, especially Mika. She is not able to suppress the seed in her. In time, the seed will overwhelm her body. In stasis, I can extend the time to find the cure. Cette coiffure. Even this will not last. With Grave, I could still use Big Daddy's superior DNA. It may work. However, Mika is Big Daddy's daughter. His DNA wouldn't help her much. Quartz. Je crois que c'est elle qu'on peut jouer à un moment. Elle. Quartz. Lock it to Grave's chair, wherever you find a free spot. And keep track of his status, please. Well, I'll take a short nap. Elle a une main chelou, elle. Ah oui, carrément. Décide de t'appeler un creuse, apparemment. Chaque œil est différent, une couleur différente. Ça lui a pas plu et elle a cassé sa cigarette. C'est cool. Putain, c'est quoi cette vision chelou? Exprès que ça rame là? Ha 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 ha
Allez, les sbardis. Du coup, elle a disparu, elle est plus dans le. Dans le machin, Mika. You son of a bitch! Oh shit! Pour le coup, c'est un peu moins dur que sur la mission d'avant, de la précédente session. En étant dans l'usine, là, il y avait beaucoup plus d'ennemis.
Là, c'est juste les vieux mafieux, ils sont en t-shirt, pas tout seuls. Ils sont plus chiants à éliminer, c'est ceux qui ont des espèces d'armure avec des casques chelous. Oh!
Alors, j'ai l'amélioration pour améliorer les balles. C'est la dernière. On a encore une. On est de 100% les dégâts. Quoi. Bon, déjà là, j'espère que ça sera pas trop mal. Alors, un raid a été mené par la mafia. Sous le commandement du clan Raven. C'est là que Grave et Boss ont été blessés tous les deux pour la première fois. Bien que gravement touché, Grave s'est heureusement réveillé. Comment diable fait-il pour courir comme ça sur ses toits périlleux? Grave, it's a Raven Clan raid. That's scum. The mafia found us first. You can bet there's gonna be some big mess on the rooftops. Yeah!
Fini, hein. Plus de bourrine. Ouais, faut pas être trop pressé pour utiliser le truc. C'est déjà arrivé. Oh, shit!
down. Right, watch out for rockets. Renvoyer les balles là. Ouais, je les tue pas. Mais putain, les scores artistiques par contre, ouais, c'est pareil, je crois que je suis assez bas en fait. Je sais pas comment je suis censé en faire plus, quoi. Je devrais peut-être utiliser plus souvent des attaques spéciales. Ouais, bon du coup, on va garder l'XP. Hein.
D'attendre d'avoir assez pour augmenter à 100% les dégâts des balles. Les attaques du clan Raven prennent une nouvelle forme. Elles se déplacent trop systématiquement pour être qualifiées de simples raids. Les attaques du clan Raven surviennent partout dans Hong Kong. Boss va peut-être courir un danger si ça continue comme ça. Hey Grave, the Ravens changed their strategy. Seems like they're going towards the power generator. That needs to be protected if you don't want to lose Mika. Lui. Yeah.
Yeah!
Come on, motherfucker! T'as perdu, je sais pas. T'es parti trop loin. Pour faire mes sujets. Eh ben, des moments il y a des vagues d'ennemis, hein. Ils sont un gros paquet quand même. Bon après c'est bien, ça fait du jeu de défouloir quoi. Et 7200, il doit falloir encore que je termine 3 niveaux je pense pour passer, pour acheter le truc. Thank you.
What? Pourquoi ça a pas marché là? En fait, il avait le truc sur lui, j'ai voulu m'accrocher à lui pour aller l'achever, ça a bugué. J'ai essayé 4 fois de choper le mec, j'ai pas réussi quoi. À chaque fois, ça chopait un autre gars. Ils sont relous, les ennemis avec les sables. On les avait pas encore jusqu'à présent. Les mecs, ils sont chiants parce qu'en fait, ils esquivent toutes les balles quoi. Faut être assez proche d'eux pour les attaquer au corps à corps. Yes. Un vieux rendez en score artistique. Il chie à chaque fois, c'est ça qui me plombe, quoi, le plus. Quoi. Allez, rue du marché. Pendant que Grave défendait le périmètre du quartier général, un vaisseau inconnu a été observé se posant dans l'une des rues du marché. Quelqu'un ayant l'orgueil de faire atterrir un vaisseau de cette taille au beau milieu du marché, est-ce qu'il pourrait s'agir de... Ouais, c'est peut-être celui qu'on a vu...
dans la planque de grève là tout à l'heure avec son œil rouge. Je sais plus comment il l'appelait, il lui mettait des droites là, Dijin ou Beijin, je sais plus comment ça. Allez, on est reparti casser les bouches. Oh!
Jamais dû aller m'enfermer là-bas dans mon coin. Je sais que ça va être une bonne technique. Putain, je me suis bloqué dans un coin. C'était tendu, j'ai plus du tout de vie quoi. Par contre, une petite sauvegarde. With all the commotion down here, I was expecting an army, some kind of challenge. I want you to show off my latest hardware, but it's just you. What a disappointment. Let's finish this clown off quick so we can get back to business at hand. And to make it fun, how about a little wager on the killing strike? He's all yours. Ok. Défoncé. Bon, après, j'avais plus de vie, donc c'est un peu normal. Conseil pour Kung Fu Master. Quand vous subissez un étourdissement, vous pouvez en sortir plus rapidement en tentant de vous déplacer à gauche et à droite. Vous pouvez utiliser Tornade Mortelle pour renvoyer les éclairs d'énergie. Ah, ok.
Putain. Dans les dents, il est pas encore mort. T'es trop nul, mon gars, t'es trop nul. And then the boost master. Ah, du coup, parce que je suis sérieux. Heureusement que je te dis d'esquiver, hein. Il fait rien le perso quoi. Je demande d'esquiver, il bouge pas quoi. Vous pouvez utiliser tornade mortelle pour envoyer les shurikens. Vous pouvez sauter pour éviter la taillade basse. Et choisissez bien le moment de votre esquive pour éviter l'image rémanente. J'ai essayé, hein, mais bon. Lesson learned, Grave. I underestimated you. Foolish pride almost cost me my life. Almost. Time to tip the scale in my favor with a little cocktail of my own creation. You should be flattered. I named it after you. Grave's End. D'accord, il va se booster. Avec le seed. Ok. Bon bah ça va peut-être pas être la même. Ok, il m'a one shot. J'avais plus de bouclier, il m'a défoncé mon bouclier avec le premier coup. Et après, du coup, j'étais à découvert avec ma vie, il m'a achevé avec un deuxième coup. Quoi. Ça a peur d'être le même, lui. Hein.
Choisissez bien le moment de votre esquive pour éviter les charges. Vous pouvez utiliser Tornade Mortel pour envoyer les taillades. Choisissez bien le moment pour votre esquive, de votre esquive pour éviter les attaques qui tombent. Choisissez bien le moment de votre esquive pour éviter les charges, la charge de l'image amanante. Lesson learned, Grave. I underestimated you. Foolish. Putain, il est dans mon dos, ce coup. Ouais, fallait bien qu'il y ait un combat de la merde, un boss qui soit un peu chiant quand même. Lesson learned, Grave. I underestimated. Mais précédemment, je les avais défoncés assez facilement. Là. Ah, mais en un coup, il m'a mis toute ma barre de bouclier. Voilà, super. C'est magnifique, j'adore ces persos, moi, ces ennemis qui se téléportent là. Comment vous voulez que j'arrive à anticiper où est l'ennemi alors qu'il apparaît dans mon dos, il l'attaque instantanément. Voilà, c'est ça. Hey, il m'a fait l'attaque, il m'a vidé, il m'a brisé mon bouclier, il m'a vidé quasiment toute ma barre de vie, quoi. Putain, ça va être n'importe quoi ce combat. En plus, ça a l'air d'être un bon gros sac à PV. Ah, c'est chiant ça aussi, ces cinématiques là. Pourquoi vous relancez pas tout de suite après la cinématique? On s'en fout de la cinématique. Voilà, il arrête pas d'apparaître dans mon dos, quoi, ils abusent. Cool, je viens de l'envoyer à un endroit où il n'y a personne. Ouais, ça va être temps d'axe. Hein. Juste que je fasse gaffe quand elles sont deux, là, elles se préparent, elles me font des charges. Du coup, faut que je les esquive au bon moment, parce que sinon, je me fais toucher une fois, elle me vide tout mon bouclier, le deuxième coup, elle me tue, quoi. Okay. Lesson learned, Grave. I underestimated you. Foolish. Oh.
Ah ouais, bien, bien la technique que j'ai utilisée. Ouais, il faut que j'arrive à lui renvoyer aussi, je pense. C'est une espèce de, d'attaque de lame, là. Parce que, je pense que ça doit lui faire pas mal de dégâts, si j'arrive. Bien, j'ai essayé, ça tombe. J'arrive pas à l'anticiper, ces attaques avec ces lames. Là. Des moments, j'essaye, mais je me gourre, c'est pas la bonne qu'elle lance. Elle la lance rapidement, elle sort son, il sort son sable là, il met un coup rapide. I underestimated you. Oui, non. Foolish. À un moment, à un certain moment, elle a réussi à me toucher là. Sur la fin. Ah, now this is interesting. This plane flew to Vietnam many. And I mean many times. Took a vacation? Or maybe you wanted to expand into Vietnam. What's the exact location? Son Dung Caves. Maybe he's into cave jumping. Ah, some blueprints here. A map, structure plans, a refinery. A seed refinery? How is that possible? Seed refineries are nowhere to be found but in Scumland. Whoever controls a refinery controls pure seed production. Yes, yes, true. Maybe this has something to do with the second seed core shipped from Scumland. But there's no evident clue here. In any case, this looks like a place to check if we want to find a treatment for Mika. Sure thing. We can't risk going back to Scumland with Mika. So true. Please make the needed arrangements. Thank you.
Ouais, ça doit pas être terrible. C'est... je pense pas qu'on a assez encore. Non. Les toits. Ouais. Bah, allez, du coup, on va partir faire celle-là. Grave n'a rien perdu de sa force. Grâce à lui, j'ai été libéré de ce satané lavage de cerveau que cette énigmatique me faisait endurer. Je me suis vu mort. Comment ai-je pu survivre? Je ne compte plus les fois où je suis revenu d'entre les morts comme cela. Il est déroutant de sentir ces anciens souvenirs se mêler au reflux des souvenirs de lavage de cerveau, mais je ferais mieux de me concentrer, suivre les déplacements de Grave et découvrir ce qui se trame. Il est temps de retourner au vaisseau. Tracker. On va jouer lui aussi. Ouais, c'est pas ça. Je connais pas lui. Alors, tirer, tirer sur les cibles avec une visée automatique, 4 balles seront tirées à chaque fois. Le mode frénésie est une compétence qui tire une salve de balles en direction d'une cible. Spécifique au mode frénésie de Bungie, vous pouvez aussi vous déplacer en esquivant, en plus de faire pivoter la caméra. Commande RT, RT, immobile, remaintenez RT, ok. Déplacement en mode frénésie, ok. Un coup de pied du loup. Utilisez un coup de pied pour dévier les missiles ennemis ou repousser les ennemis à proximité. Les missiles de levier sont renvoyés. Combo d'attaque de mêlée. Attaquer les ennemis proches avec des attaques de mêlée. Vous pouvez détruire des boucliers et repousser les ennemis. Foncez droit devant et saisissez les ennemis éloignés. Notez que certains ennemis ne peuvent pas être. Un ennemi saisi peut être utilisé comme bouclier. Votre bouclier commencera à se restaurer si vous ne subissez pas de dégâts pendant un certain temps tout en saisissant un ennemi. Propulsion, lancer l'ennemi saisi en l'air et tirer lui dessus plusieurs fois. L'activation du mode Fury augmentera les dégâts de Bungie. Pendant un certain temps, un point de démolition sera utilisé. Un tir de démolition qui invoque un loup géant pour attaquer les ennemis. Le loup invoqué par Bungie inflige des dégâts en chargeant les ennemis. Invoquer le roi loup, un tir de démolition qui invoque une meute de loups pour attaquer plusieurs ennemis. Les loups invoqués par Benji infligent des dégâts en chargeant les ennemis. Allez, ouais, bon après c'est peut-être la même chose. Gameplay, ça change pas des masses par rapport à Grave. Pas mal de dégâts lui aussi. D'accord.
Who's that? Shit! J'ai le mode frénésie, j'ai rien de dire. Aussi. Yes, mission terminée 100%. Là, on devrait pouvoir acheter. Yes, les dégâts. C'est le max. Ouais, c'est le max.
Ok, bon ben voilà. Compétences, ouais, après ça c'est les attaques machin. Ouais, ça plus tard. Yes, bon ben voilà. Une fois, on ira au Vietnam. Bref, ouais, bon du coup je vais arrêter là. Je pense qu'on a pas mal avancé là du coup. On a terminé toutes les missions qu'il y a à faire à Hong Kong. Je pense que je vais essayer de faire ça. Je ferai une vidéo par zone en fait. Parce que bah, du coup avec celle-là, les trois premières vidéos, à chaque fois j'ai fait les missions de chaque zone. Donc je pense qu'on va continuer comme ça. Je vais faire un épisode par zone de jeu avec tous les niveaux qui m'ont. Voilà, voilà. Bref, bah écoutez, j'espère que cette session vous a plu, je vous remercie de l'avoir suivi, et puis du coup, bah, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre périple sur Gungrave Gore. Allez, bon jeu à toutes et à tous, ciao ciao.